Hoffman. Réveillé? Je suis en chemin pour le camp que t'as repéré, au nord du mont. T'as une idée de l'endroit où tu vas? Je le saurais quand j'arriverai. Terminé. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Qui se souvient des quartiers pauvres de notre beau pays? Des gens obligés de vivre dans la rue, dans des cartons ou des tentes, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vivre le fameux rêve américain. Certains de ces gens avaient combattu pour la nation. Et les fédéraux les ont largués comme des merdes. SSPT. C'est pas les initiales de syndrome de stress post-traumatique, non. Ça veut dire... Boseman, t'avais raison. Ils se sont installés le long du chemin de fer. Jusqu'au dernier. C'était au programme. Terminé. Ouais, cette poissonnerie. Plein.
Te voilà. Un abri. Vite. Arrête de bouger, putain! Bon, c'était le dernier. Vous avez rien à foutre sur le mont O'Leary. Bowser, c'est fait. Le camp de squatteurs. Maintenant, ils tueront plus personne sur le mont O'Leary. Fais chier. Dick. J'aurais dû être là. Être là pour t'aider. Merde. Allez. Reste tranquille, Bowser. Repousse-toi. On roulera vers le nord quand ton bras ira mieux, ok? Ouais, d'accord. Terminé. Y'a rien de tel que la ferraille. Ouais, je vais au cimetière pour voir si je peux pas trouver la cage de Léon. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Contente-toi de te reposer, Bowser. On file vers le nord dès que tu pourras conduire. Au nord. Ouais. Des maraudeurs, génial. Vous m'attendiez, c'est ça? Quoi? Tu t'as dit que tu partais vers le nord? Bowser, non. Tu sais bien que je partirais pas vers le nord sans toi. Ouais, je sais. Je suis juste un peu à côté de la plaque. Avec des brûlures au troisième degré, c'est pas étonnant. Ouais. Bon. Charge-toi d'Alvarez, tu veux? Dick. C'est important pour moi. Je ferai attention à elle, Bowser. Repose-toi maintenant. Terminé. J'en ai ras le cul de voir des drifters débarquer dans mon camp et buter des gens comme si on était dans le No Man's Land. Qu'est-ce qui se passe, Cope? Un type est arrivé, complètement défoncé. Il a vidé son chargeur et il s'est tiré. D'après Manny, il y a un réservoir rouge sur sa moto et il portait un casque de motocross argenté. Ok, si je pars maintenant, j'arriverai peut-être à l'attraper. Je le veux vivant, Dick. Vivant? Vivant! Rappelle-moi si tu le chopes. On viendra le chercher pour le pendre, ce fils de pute. Il est temps qu'on montre à ces enfoirés de drifters qu'on fait régner l'ordre dans ce camp. Je dis pas ça pour toi, hein. T'inquiète, je te couvrirai. Denis, il y a de plus en plus de buts par ici. Bowser, non.
Non, tu vas finir par y rester. Il faut que t'attendes d'être rétabli. D'accord? Je suis pas loin, de toute façon. Je vais m'occuper de Senny. Ok? Ouais, ok. Merci, Dick. Non, il faut mieux attendre la nuit. Un peu de temps dans la nuit. Ou alors, je m'en occupe pendant qu'il fait encore jour. Ils seront plus nombreux, mais moins balèzes. J'en ai besoin. Un ange en pleurs. C'est forcément ça. Bon, où t'as planqué le matos, Léon ? J'en ai besoin. Ces trucs. Bingo. Maintenant, faut que je vois à qui je vais donner tout ça. Bowser ! Bowman, tu m'entends ? Tu vas pas me croire. Je viens de voir un putain d'hélico, tu m'entends? Un hélico? Mais de quoi tu me causes? Un hélicoptère du Nero. Il m'est passé au-dessus de la tête sans même me calculer. Après tout ce temps, des fédéraux qui débarquent en hélico? Je vais les rattraper. Et j'essaierai de voir ce qu'ils foutent. Hey Dick, fais gaffe. Mange pas trop avant d'avoir une bonne idée de ce qu'ils fabriquent. Ne fais pas de conneries. Mais non, je vais pas faire de conneries, ça va. Ça t'a plu? Ah!
Attrape! Brûle! Putain, putain! Première nouvelle. Voyons voir. Attends, attends! Ils ralentissent! On dirait qu'ils s'arrêtent! Chercheur du néon, qu'est-ce qu'ils foutent ici? Faut que j'aille voir, que je comprenne ce qu'ils font. Bon, c'est parti, discretos. S'ils me voient, je suis foutu. Si je lance une pierre, ça devrait détourner leur attention. Vous allez bien? Va voir ce que c'est. Combien de temps ça va prendre? Pas trop longtemps, ça c'est sûr. Hé, quelqu'un a entendu? Ça va pas être bleu. C'est à se demander si la pluie s'arrête. Je savais pas. Il faut que je reste planqué derrière les buissons. Terrain 2058. Suite à la traque d'un groupe important est... Halte là! Ou on tire! Hey, je suis pas venu chercher la merde.
Lance une pierre, ça devrait détourner leur attention. Note de terrain 2058. Suite à la traque d'un groupe important estimé à 500 ou 600 individus, on a pu confirmer que le site d'hibernation des spécimens était localisé. Salut Doc, je vois le 23 sur le tableau de service pour demain, c'est nous ? Non, c'est O'Brien. Compris. Eh ben, où j'en étais ? On a pu confirmer que le site d'hibernation des spécimens était localisé dans la grotte du Haut-Désert, désormais désignée site 15. L'herbe et les plantes piétinées à l'entrée, voire photojointes, indiquent que le site est utilisé depuis un certain temps. Ils doivent être comme des cocons de pattes là-dedans. D'après les capteurs de mouvement installés par le lieutenant O'Brien, environ 447 individus sont entrés dans la caverne ce matin. Je recommande l'envoi d'une équipe de suivi après 19h00 pour accéder à l'intérieur de la grotte et évaluer davantage la situation. Note au docteur Anderson, votre théorie sur la régression des spécimens vers un état primitif de comportement nocturne est de plus en plus intéressante. Fin du rapport. Vous entrez pas. Vous écoutez ce que je vous dis. Il y a plus de 400 spécimens. Et c'est pas des mutants comme les autres, ceux-là. C'est des stades 3. Qu'est-ce qui ils dansent comme des bébés. Et j'ai demandé si ça vous entrez. C'est pas possible. Je me suis pas proposé. Ces spécimens ne dorment pas, ils hibernent. Vous avez déjà réveillé un ours en hibernation? Non. Vous avez déjà réveillé un mutant en hibernation? Ouais, figurez-vous. J'étais l'un des survivants de la mine de White King. La vache. J'en ai vu un mettre mon pote en charpie, comme s'il pelait une banane. Cette nue, elle protège contre tout un tas de trucs. Mais pas contre eux. Nom de Dieu, Caporal. Merde, je suis désolée. Cette mission, elle était pourrie depuis le début. C'est pour ça qu'on ne va pas entrer. Vous croyez que si on bouchait la grotte, je sais pas, on réduirait leur population? Je l'ignore, Caporal. Il y a plein de grottes dans le coin. Allez, fichons le camp. Condamner les grottes? Je me suis dit, ça changerait quelque chose. Ça, c'est sûr. Il faut que je reste planqué derrière les buissons. Boozer, tu me reçois? Boozer, réponds! Vic, salut, je te reçois. Quand on a quitté Farewell, le mec du Nero, le soldat ou je sais pas quoi, celui qui a emmené Sarah. Attends, de quoi tu...
Il portait un badge. Il y avait quel nom dessus? T'es en train de parler? Oh putain, Brian. T'as parlé que de lui tout le long du chemin jusqu'au Threefinger Jack. Ok. Il est vivant, Boozer. Il est vivant. C'est pas possible. T'as vu comme moi que le camp tout entier a été rayé de la carte. Oui, je sais, mais j'ai entendu. Ok, écoute. Je suis entré dans leur zone d'atterrissage. Wow. T'es entré dans leur ZEDA? Mais t'es complètement... Hey, écoute-moi. J'ai entendu leur communication radio. Il parlait d'un certain O'Brien. Nick, c'est pas ça. Non, Boozer, t'inquiète. Je vais juste... Essaie de dormir un peu. Terminé. Ok. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Quand l'enfer sur Terre a débarqué, ça n'a surpris aucun de ceux qui m'ont écouté quand le monde a commencé à partir en couille. Moi, j'ai eu de la chance. La plupart de ceux qui ont osé défier les fédéraux, ça s'est mal fini pour eux. Les cimetières sont pleins de martyrs. Tous ceux qui ont essayé de dénoncer leurs bobards et leurs manipulations. Je le sais, parce qu'on a voulu me faire taire aussi. J'ai lancé Radio Libre Oregon quelques semaines avant la chute des fédéraux. J'ai m'été depuis un fourgon banalisé que je déplaçais de ville en ville. C'était avant que les routes soient obstruées et les ponts détruits. Une dernière tentative d'arrêter les mutants. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Non, Cop, les cimetières sont remplis de mutants, pas de martyrs. Et si t'as pas arrêté de bouger, c'est parce que n'importe qui aurait fait sauter ta camionnette. Pour pas avoir à écouter tes conneries, là, de Radio Libre Oregon.